faut déjà comprendre l'impact du patriarcat sur la société burundaise. Comprendre que la société burundaise est une société fondamentalement patriarcale qui pendant longtemps a vu la femme comme étant un être pour qui on doit prendre des décisions. Je crois qu'il faut arriver à avoir une société où les deux, que ce soit l'homme ou la femme, puissent avoir, jouir des mêmes droits et des mêmes pouvoirs, où l'être humain est d'abord vu comme un être humain avant d'être vu comme un homme ou comme une femme et accorder ses libertés à tous. Et ça, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de mentalité, c'est un travail sur les perspectives que portent les gens, c'est un travail qui doit se faire autant au niveau des lois que dans des discussions. Et là, je crois que les médias ont un rôle très important à jouer, c'est-à-dire à remettre en cause tout ce que nous considérons comme acquis dans une société, et vraiment essayer de creuser, de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on dit à une jeune fille de faire son lit, de faire le ménage dans la maison pendant que son frère ne le fait pas, alors que les deux bénéficient d'une maison rangée, d'une maison... Voilà. Pourquoi est-ce qu'on apprend à une fille à faire la cuisine et pas à un jeune homme, alors que les deux doivent manger et que ce sont des besoins vitaux? Alors vraiment, creuser toutes ces... Toutes ces différentes inégalités pour pouvoir arriver à une société où on est traité par rapport à ce qu'on est et pas nécessairement par rapport à son genre. Ça c'est très important. Et arriver aussi à voir que la violence envers une femme est une violence envers toute la société. La violence envers un enfant est une violence, et la violence par rapport à toute la société.